La compagnie Aléop se prépare à transporter près de 25 000 élèves à la rentrée en Sarthe. Cette année, la société de transport se dit prête après deux dernières années compliquées. Nous avons cette chance d'avoir tous nos chauffeurs, tous nos circuits. On est plutôt serein en effet. On a 90% des parents qui se sont inscrits. Donc on a une belle visibilité sur la rentrée. Donc ça va être une rentrée sereine. Ça va nous changer des années après le Covid. L'abonnement augmente encore 5 euros de plus qu'en 2023, soit 155 euros par élève. Pour le troisième enfant inscrit, l'abonnement est gratuit. En cas d'inscription tardive sans justification valable, une majoration de 30 euros peut être imposée. On peut encore s'inscrire. Il y a des inscriptions tardives qui peuvent être liées à une affectation tardive dans un établissement, à un déménagement, et auquel cas il est possible de s'inscrire sans majoration. Pour cette rentrée, la compagnie met en place de nouveaux moyens pour recruter des chauffeurs. Le lycée de Saint-Calais propose de former pendant un an de futurs conducteurs de bus, une formation inédite dans la région. Cette formation, c'est une formation en alternance qui a été montée conjointement avec notre syndicat, où il y a à peu près 17 semaines en entreprise, 17 semaines en établissement scolaire, pour nous former, nos futurs conducteurs pour l'avenir, avec une partie conduite, forcément, puisque la conduite, c'est 30% du métier de conducteur. Mais derrière, on a toute la partie culture générale, la partie sécuritaire, la partie réglementation, pour qu'on puisse un jour les envoyer dans toute la Si vous avez déjà une carte d'abonnement, celle-ci est réutilisable au cours de l'année. Une nouvelle carte est distribuée pour les nouveaux adhérents ainsi qu'un gilet vert de sécurité.